Félix, enfin, le père de la nation. Je vois rien. Mais pourquoi pas, Alisson? Je vois rien. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, 15 novembre, journée dédiée à la paix. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Souvenez-vous, le 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous avons travaillé, nous avons lutté pour que cette indépendance soit effective. Force est de constater que pour me remercier, on me remercie avec des coups d'État, des rébellions par-ci, par-là, et étant même dans mon cercueil, il y a eu des balles qui ont heurté ma tête. Ah ouais. Nous ne voulons plus de ça dans ce pays. La Côte d'Ivoire a changé. Autrefois, le succès de ce pays reposait sur l'agriculture. De nos jours, le succès de ce pays repose sur les classes. La Côte d'Ivoire est devenue premier exportateur de beurre. Arrêtons tout ça. Des beurre qui ne viennent à aucun moment apporter un développement à la Côte d'Ivoire. Cultivons l'amour. Chers Ivoiriens, arrêtons de nous entre-déchirer. Nous assistons à des clashs aujourd'hui. Entre un pasteur et un vendeur d'habits. Des clashs entre un pasteur et son péché mignon. Jusqu'à quand? Où avons-nous mis l'union, la discipline et le travail? Je me rappelle de ce célèbre philosophe du nom de Dolo Adama, qui a dit, et je cite, le symbole de la démocratie, c'est le string. Il sépare la gauche de la droite. Il arrondit les bords. Il maintient la masse. Et il attire le peuple. Qui d'entre nous n'a jamais été attiré par ce symbole? Ce n'est pas ceux qui vendent qui me dira le contraire. Nous devons tous unanimement nous mettre autour de ce symbole. Pour une paix durable, pour la vraie réconciliation. J'ai senti de venir vous dire cela. Je vous remercie. Charles Konabani, allons. Yeah.
retrouver toute la semaine dans la télé d'ici. Voilà.